Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésor. Aujourd'hui, on s'est arrêté sous un petit pont qui est très sympa. C'était pas prévu, mais ça va être pas mal. Non, Rasta. Quentin est là, ainsi que Rasta. Bah, allez, là, j'ai quelque chose. Si je l'ai pas perdu. Ah oui. Oh, une pile. Allez, ça commence la dépollution. Premier lancer, une pile. Ça fait plaisir parce que ce pont n'a l'air de n'avoir jamais été fait. Donc, ça voudra... Bonjour. Vous connaissez ? C'est des aimants, ouais. Ouais. Il y a plein de choses. Encore une pile. Oh non. Ah mince. Ah moi aussi, en même temps. Ouais, j'avais pas vu que le bord était en fait. Ah non. Coup très dur pour ma part. Je sais pas ce qu'il en est de toi. Voilà, je vais venir, ouais. On les fait un coup chacun, ouais. Mission de sauvetage réussie. Donc ouais, je m'étais vraiment bien coincé comme il faut. Mais on peut reprendre la pêche. Donc, j'ai donné une cuillère de pêche au pêcheur qui était en haut du pont. Et on va voir ce qu'on trouve d'autre ici, sous ce pont. Ouais, une pince. Regarde. C'est presque tous les coups ou fait quelque chose. Ouais, presque tous les coups. Je pense que ça a jamais été fait ici. Et en fait, on le sent au poids quand on a quelque chose accroché. Ouais. On le sent frotter, puis d'un coup, on sent le tic, et après, c'est de suite plus lourd. Ouais. Ah, il y a du poids là. Alors, on a une fourchette. Un feu ancien ? C'est du bois ancien, ouais. C'est du bois ancien, tu vas le Oui, déjà, oui. Ouais, oui. Peut-être deux motos. Ouais, peut-être. Et l'ampoule, elle est encore bien. Bonne ouais. Balade. Bonne journée. Merci, vous aussi. Vous aimez, vous pouvez aller. Sur internet, maison de la détection, ça s'appelle. Oh, oh, elle est pleine ? Elle est pleine, un peu. Elle est pleine ? Non ! C'est la première fois qu'on en fait une pleine. On va regarder la date. Là, c'est là. Elle connaît, hein. 0423, elle est bonne. Bon, ça va. T'as de quoi l'ouvrir? Ah bah après, ouais, bah oui, j'ai 35. On va tenter, hein. Fraîche, ah ouais. Elle est fraîche en plus. Alors ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Ah ben. Ouais. Ah oui, un portable. C'est un vieux Nokia, je crois. Ah oui. Oh, ceux-là, ils sont... Très ancien. Ah ouais. Ouais. Nokia. Je sais pas le modèle si vous c'est savez. C'est pas un 3003, c'est l'ancêtre non. Du 3003. Tu penses encore plus vieux ? Ouais. C'est quelle année ça ? Année 2000 ça non ? Oh oui. Ouais, début 2000. Ouais. Ça fait un moment qu'il est là. Oh oui. Regarde, t'as une bulle d'eau, une bulle d'air. Rasta, tu restes là hein. Rasta. Ah oui, c'est la moto. Tiens. Tiens le portable. C'est cool ça, tiens. Ouais, avec la bière, c'est cool. C'est réflexe. Ça a été filmé, ça. Non, mais j'ai pas de... Mes gants, regarde mes gants. Ah, ouais. Mes mains sont mi-moules. Bonne excuse. Allez, occupe-toi de mi-moule. Mi-moule. J'ai quelque chose, c'est sûr. Mais c'est bizarre. Drôle de forme encore. Oh ah, une grosse barre. Petite 5 centimes d'euros. Ça fait toujours plaisir. J'étais sûr que t'allais dire ça fait toujours plaisir. Allez, devine l'année. 2004. Non, elle a ton âge. 99. Eh oui, une 99. C'est les premières, c'est ça? Ouais. Alors, Quentin, mon frère, ça a lâché? Tu es pas content? Ouais, bah alors moi, je vais trouver quelque chose. Puisque le grand frère ne fait plus le travail. Rasta, c'est quoi cette position là que tiens? Regarde-le. Il est bizarre. Et il est devant pour ça. Tu lui as dit de surveiller, de surveiller. Mais il est couché sur le muret là ou il a qu'une patte? Oui, il est sur le muret. Ah. Attends, on aura le droit de le dire. J'ai mal entendu peut-être, mais j'ai cru comprendre. On a le droit à une bière. Ah, je peux goûter. Ah bon?
Ah, en vrai, peut-être que c'est un petit peu pour eux et que. On va l'entendre tout de suite au pchit en fait. Parce que boire un peu d'eau de ce canal. Ah, celui-là. J'espère que c'est pas la chaîne d'un bateau. Non. Vas-y, vas-y. Fais-nous cette remontée là. Oh, un extincteur. Oh, fais gaffe. Oh la peur qu'on a eu. Belle scène, belle scène. En tout cas bien sympa cette petite réaction là. Ça c'est une scène qui va devenir culte je pense. Avec le sursaut de tout le monde. Alors là c'était vraiment tout au fond. Vraiment tout au milieu du pont, donc c'est très bon signe. Et il y a un certain quoi. Bon. C'est une échelle, un truc comme ça? Non. Peut-être une ancienne partie de la barre de pont. Bon voilà, là je me suis mis sur le pont. Donc on va voir ce qu'on peut attraper d'ici. Normalement il y a une plus grosse surface. Là j'ai quelque chose. Wow. Ok, rien d'intéressant. C'est assez lourd. Oh oui, bobine de cuivre. Ok, sympa. Toujours cool de faire un peu de cuivre. Oh non. Je ne veux pas ça, qu'est-ce que c'est? Un petit parasol. Voilà mon butin. Petit dernier lancé, mais je crois que c'est bon pour ce côté du pont et je pense pas qu'on fasse l'autre. On est un petit peu pressé par le temps, on va changer d'endroit. On roule toujours très doucement sur les ponts et voilà, celui-là nous a dit quelque chose, on s'est arrêté. On a fait quelques trouvailles originales, donc ça valait le coup, c'était bien sympa. On va goûter la bière, on va vous faire la séance de dégustation. Alors on a pêché cette bière sans alcool. Je vous rappelle. Ah, oui, toujours, puisqu'on est sur YouTube ouais. Et qu'il n'y a pas d'alcool dans les bières. On va essayer de l'ouvrir avec cette pince. Pêché. Sans alcool aussi. Et pêché. Et pêché. Non, mais tu... Comme diraient les fumeurs, il faut bien mourir de quelque chose. Nous, on va mourir en buvant cette bière et en attrapant le skinfus. Ah, en vrai, ça fait un bon décapsuleur. Ça le fait. Ça ouvre un peu de vase à l'intérieur, mais. Hop. Ah, est-ce qu'elle va avoir le goût du canal? En tout cas, elle devrait être fraîche. En tout cas, à l'odeur, elle a l'air bien. C'est sûr. On peut mettre un petit coup d'extincteur s'il te plaît pour me donner de la force. Ouais. Ouais. Tu vas péter le tympan. À ta santé. Elle est très bonne. Super fraîche. Attends. Je crois que cet extincteur, on va pouvoir le garder, faire des blagues. Ouais, elle est bonne, mais ça reste de la 16. Quoi. Oh, ça va. Je conduis, moi, je peux pas. Non. Ah, tu conduis. Bah oui. Bonjour. La pêche est bonne. Ouais. Ouais, ça va. Et il marche. Ouais. Il était dans l'eau. Rasta. Rasta, viens là. Il y a pas longtemps que tu dois être là parce que. Oh! Dur à dire celui-là. Hein? Il vient peut-être de chez vous, non? Vous en avez? Ah, c'est quelques mois, je pense. Il y a une date, non? Normalement? Ouais, normalement, oui. Sur le truc. Là, vers là. Ah, il y a une. Rasta, ah, doucement. Ah, peut-être l'étiquette là. Ah, ouais. C'est peut-être. Ah, ouais, ça fait un petit moment quand même, vu l'état. Ouf, non, non, parce que ça va super vite. Ouais. L'étiquette est là pour un casse, une connerie comme ça, et ils l'ont balancé après. C'est vrai qu'ils sont pour les empreintes, ouais. C'est ça, parce que l'autre fois, il y a eu un casse, l'autre fois, et, parce que là, il y a des mecs qui sont venus l'année dernière et ils ont tout ratissé. Ah, ils ont déjà pêché? Ouais. Ah, ok. Ah, ok. Mais ça, ça n'était pas parce que. Ouais, bon, il aurait eu sûrement. Ok, on vous reprend, on a changé de pont, donc là, c'est un canal bien sympa, encore une fois. Très joli endroit, très calme. On va voir ce qu'il y a, parce que c'est une route qui est quand même bien passante. J'ai jeté, là, j'ai senti plusieurs choses. On va voir, c'est le premier lancé. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, ok, ok. Donc on a une pince.
Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle a vécu. Et ensuite ça, on reste sur de la ferraille classique. Ça a un certain poil, plus que d'habitude. Ah, je crois que c'est une grosse pelle. Je l'ai encore perdu. Je l'ai encore perdu, mais regarde. Oula. Je crois que c'est un gros aimant plat. Non ? Non, non, la boucle elle va pas avec. Il y a juste ce disque. Ah oui, t'as raison, non, elle va pas avec. Attends, mais continue à filmer parce que je crois qu'il y a une pelle là-bas. Ah, ah, le fameux hameçon. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, le tétanos me guette. Eh oui, les gants. Les gants, ça suffit pas toujours pour les hameçons. Je me désinfecterai bien en retournant à la voiture. Mais là, j'ai un truc qui m'interpelle. Elle me paraissait énorme cette pelle. Mais vraiment. Mais non, mais c'est peut-être parce qu'il y a tout le reste. Non, mais en termes de taille. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, 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 ah ça oui, c'est oui, une oui, vraie pelle, mais bon. Elle est totalement mangée. Ah oui, regarde par rapport à ma tête quand même. Ouais, c'est vrai. C'est de la pelle. Belle taille. Voilà. Mais là, elle est foutue. Et là, on a une créature bien étrange. Ah oui. Regarde ce que je viens de trouver. Plusieurs choses. Cette vieille pile. Ouais, bonne dépollution. Mmh. Comme le pont d'avant. On la fera. Cadenas. Ah ouais. Ça date aussi. Oui. Du clou. Une pièce surtout. Elle est grosse. C'est du franc. C'est du franc, c'est du franc, c'est du franc. Hop, dans la poche. On se rend maintenant au troisième spot de cette vidéo où on a rejoint Maëva, une abonnée. Allez, vas-y, premier lancé. Premier lancé de l'abonné. Plus 2 mètres. Ouais, 2 mètres au moins. Ouais, facile. Facile. Et normalement, si tu sens un truc. Clac. Des bulles et tout. Bon signe, un bois. J'ai récupéré un bout de bois. Ça compte. Tu peux le sortir. Mon premier sable. T'es content de ta trouvaille? Ah, mais super, je vais le garder et tout. En plus, il est mauve. Ouais, il est beau. Pour l'instant, meilleure trouvaille de la journée. Ah, ouais, t'as vu ça. Je vais peut-être détrôner ton sable. Ah, ah non. Attention. T'as pas le droit. Hein. Pas déjà. Deux sables. Deux sabres. Oh. Oh, oh non. C'est nul. Tu peux trouver la bille qu'il y avait avec maintenant. Ouais. On a déjà fait des soutiens-gorge, ouais, des trucs comme vu, ça. Hein. J'ai rigolé. Tu t'as pas essayé d'ailleurs? Non. Hein Roger. Moi j'ai un truc. Ah, ah si. Si, si. Ah, c'est un médaillon? Non, c'est un bouchon de pêche. Ouais. Ouais. Oula. Attends, c'est dans la. C'est caché. C'est quoi? Morceau de poteau électrique. Ah ouais. Ouais. C'est un vieux. Mais il a été découpé en plein de bout, alors c'est ça qu'on a retrouvé. C'était en porcelaine, tu vois. Ouais. Là, il y a du cuivre. Ouais. Mm. Mais c'est pas l'autre bout qu'on a trouvé là? Peut-être. Toi, t'as trouvé peut-être. Un bout. Ça, c'est très vieux. Hein. Ouais. Peut-être années 60 ou 50. Mais là, c'est bizarre ce qu'il y a au milieu. Hein. T'as vu? Mais moi aussi, je bloque là-dessus. Mais je n'arrive pas. Moi, ça m'a pas bloqué. En fait, ça glisse moi, dessus. Je vais l'avoir sur ouais, mais pareil, non, mais pareil, ça bloque pas trop. Hein. Je sais pas. Ouais. Pas, c'est bon. C'est bon. Le dodane, il prend pas de soucis. Rasta dodane. Oh, pas une branche, pas une branche. Non. Oh non. Bon, il y a quand même des choses. Oh bah. Ah, oh, c'est un coquillage. Oh. Ouais, tant pis. Et ça, c'est quoi? Non, c'est rien. Ah, Baptiste. Ah. Ouais, j'ai filmé. Calibre 12. Bien joué. Oh, elle est pleine? Ouais. Hein, faut trouver l'arme maintenant. Ah, ça y est. Ah, t'as le fusil? Allez. Allez, vas-y, je filme, allez. Allez. On met la bonne musique là. Allez, I can hold the back. Non. C'est quoi? C'est quoi? Morceau de scooter, je crois. Oh, non. Ouais, morceau de cadre de scooter. Alors? Bien joué. Samsung? Ouais, je crois que c'est un Samsung. Oh, attends, c'est quoi? On dirait un. C'est pas un Wiko? Non, c'est pas un Samsung. Non. C'est pas un Samsung, je pense. Les Xiaomi OnePlus? OnePlus? Ah, c'est OnePlus? Énorme. OnePlus, c'est quelle marque? C'est ce qu'il a Antoine. Ouais. Dédicace à Antoine si tu vois la vidéo. Bien joué. Énorme. Sympa. J'aurais pu mettre un billet de 10 derrière quand ouais, même. Ouais, ouais, ça c'est. J'ai vu un truc avec, regarde ce qu'il avait avec. Ah, il y avait quelque chose. Ah. Kangoo. Eh ben ça, non. Ah ouais, immatriculation. C'est, des, ouais. C'est accroché à des clés de voiture de location, ça.
Ouais, sûrement. Oh, que c'était avec, hein. Ouais, tu devrais trouver des clés de voiture. Mais par contre, je sais pas comment j'ai fait pour attraper ça parce que. Ouais, t'as eu de la chance. Regarde. Ah ouais. Oui, bah c'est comme les iPhones, hein. Ouais. Bon, tu viens m'aider, je suis bloqué là. Non, bah du coup, non, hein. Je prends un retraite là. Oh, ça suffit pas ça pour une journée. Ça suffit pas ça pour une journée. Non. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Un morceau de canette de conserve. Ah oui, de conserve. Ah non, dommage, ça a lâché. Ah oui. Voilà pour la petite pièce de 5 centimes toute propre. Ah non, on va. Oh non. Et on l'a rapproché là. Comment le poisson? Non, c'est pas le poisson, c'est la ferraille. Ah, tout ce qui est magnétique. Ouais. Ça dépollue. Ouais. Voilà. D'accord. Ramasse les pièces. Voilà. Des vélos. Pêcheurs de trésors, non, même pas, non. Si, pêcheurs de trésors. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est notre chaîne YouTube. Voilà. Ouais, des fois, il y a des après, choses sympas. Bah là, on a fait un portable. Ah, quand même. Ouais, des fois, il y a des leurres de pêche. Et une cartouche aussi. Ouais. Une cartouche. Il y a des armes, des coffres forts. Des grenades, un peu comme votre t-shirt, oui. Des fois. Ouais. Hop. Et du clou. On tira 3 comme tout à l'heure, ça va. Ouais, on va essayer, ouais, ouais. Ouah, c'est dingue. Encore, mais c'est un truc de fou, t'imagines quand même ce qu'on a ramassé. C'est incroyable. Donc là, j'ai trouvé une corde. On va voir ce qu'il y a au bout. Oh. Non, c'est pour les poissons, ça, non? C'est un piège. Je crois que c'est pour garder les poissons dans l'eau, ça. Ouais, belle pêche. Bravo à l'abonné. Une belle casquette. Allez, t'as le droit de l'essayer. Toi d'abord. Elle est horrible. Elle est vieille celle-là, elle a vécu. Ouais, hein. Il y a même vieille. Un bout de bois avec, tiens. Ouais. Vas-y. Attends, il y a une marque et tout, non? Ah oui. American Flag. Wow, une casquette américaine. Attends, ça rigole pas, hein, Rasta? Qu'est-ce que t'en penses? Merde, j'ai cassé le bout. Ouais, bah tant pis. Eh, hey, j'ai eu une casquette. Franchement, une casquette en pêche à l'aimant, c'est une première peut-être. Ah ouais? Ouais. Énorme. Super. Ouais. Pas grand chose. Non. Qu'est-ce que tu nous sors là? Ah ça c'est... Une serrure, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, si c'est une vieille serrure. Ah ouais, ouais. Bravo. Génial. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Ça va être la partie d'un très ancien moteur. Quelque chose dans le genre. Si vous avez une idée en commentaire. Ah oui, une boule de pétanque. Ça, franchement, elle est en bon état. Ouais, boîte de cigarettes. Je vais regarder s'il y a de l'or dedans. Non, vide. Oh, et une pièce en plus. C'est un demi-franc. Ouais. De l'année 1966. Pas mal. Rasta! Viens là! Viens là! Allez! C'est bien, allez, va là-bas. Assis là. C'est bien. Ah, ça fait cloque au bord. Une pièce, une pièce, une pièce. Oui. Oui. Ah, oh, j'ai deviné. Oh, elle est neuve. Énorme. C'est pas d'ici ça. Ça c'est italienne. Génial. 1977. Elle est trop 50. Belle. Ouais. Elle est magnifique. Elle est neuve. C'est ouf. Elle est magnifique. Ouais. Putain, bravo. Merci. Punaise, bravo. Ah ouais, non, interdit les gros mots. Yeah. Ah, bravo. Et t'as même un autre truc, non? Ah non, non, c'est une météorite. Bon, super, une cuillère, yes, allez. Elle est bon, en bon état, hein. Ouais. Ça va. Ça va, toi. Elle a pris une tache, c'est des algues, ça, d'ailleurs. Ou c'est brûlé, non, on dirait, non? Je sais pas. Ah non, c'est un dessin de base. Ah. Je crois. Ah non, bizarre, on dirait hein. Un bout d'algue qui s'est... Ouais. Bon, en tout cas, hein. Voilà pour ce soir. Bon appétit. Hein. Ouais, bon appétit. Si vous m'avez ouais, pour les abonnés qui nous regardent en mangeant. Voilà. Attends, là, oui. Voilà. Ils ont rien vu, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, bon, de toute façon, tu viens de la pêcher. Bah oui. Ouais. Allez, deuxième cuillère. Ouais. Donc, tu disais de inox, ouais. Ouais, il y a marqué
inox pure crème. Voilà, donc juste à passer un coup de brosse et c'est cadeau. C'est pour manger de la pure crème. Voilà, la pure crème. Ouais, et en merci. Petite quantité par contre, c'est petite. Ouais, mais c'est pour la ligne. Ah oui, c'est pour ça, voilà. On sait pas ce que c'est, à mon avis ça s'ouvre en tout cas. De MTP. C'est une clé, on dirait, tu sais, comme un badge. Non, non. Ah, tu crois que c'est une boîte? C'est une boîte. Alors. Je suis pas sûr, hein. Ah, tu trouves que ça s'ouvre pas? On dirait un badge, tu vois. Il y a quelque chose dedans, c'est lourd. Hein. Arrête. Non. Germany Design. Ouais, c'est pas du français, ouais. Ah. Et attends, ça s'ouvre. Franchement, ça s'ouvre, je pense. Je vais péter ouais, mon nom. Ouais, fais gaffe, ouais. Sinon, j'ai le couteau dans le sac. Ça, hein. C'est quoi, ça, alors, cette partie-là, là? Ah non, ou alors c'est un mètre. Ah punaise, mais oui, là, exactement. Là, tu tires bien par là. Joué. Non oui, tu crois que c'est ça, c'est ça. Mais c'est un mètre qualité. Oui, c'est ça. Qualité de ouf. Non, justement. C'est un mec qui les distribue comme goodies pour faire sa pub. Et oui. Ah. Voilà. Énorme. Énorme. Bien joué. Merci. Belle trouvaille. J'avoue, c'est ouais, cool. Mieux que la c'est cuillère. C'est quoi Dren TP. On a même le téléphone. Voilà, on fait la pub si vous voulez vous abonner à sa page. Non, non, non. En tout cas, ça date. Hein. Ouais, je sais ouais. Pas si l'entreprise elle est toujours debout. Mais ouais. Ou alors c'était un porte-clés. On va, on va jeter ce côté. Bah, elle a fait pas mal de trucs. Une trouvaille. Une trouvaille. Quoi? Bah. T'es combien de puissance ton aimant? 1600 kilos. C'est les plus gros. Ah, j'ai une pièce. Ouais, mais elle est morte. Un centime rincé. Pas 30 jours là. Bon, ouais, ça va. Ouais. Non. Ça va. C'est si, bordel. Si. Mieux que Quentin. Ah ouais bah. En même temps c'est la casquette. Ça va, ça va. Ça va, ça passe. C'est bon. Bah oui. Ça va. Bon bah voilà, on a fini ce pont et là c'est un pêcheur qui nous a dit qu'il y avait déjà 10 pêcheurs allemands qui étaient là il y a c'est quelques ça. Jours. Une armée de pêcheurs allemands ouais. Est passée avant nous. Donc arrêtez de faire comme nous, c'est réservé aux professionnels. Ouais c'est bon. Et aux stagiaires. Oui, aux stagiaires bien sûr. Si vous voulez, c'est avec nous qu'il faut le faire. Ouais. Non en vrai ça fait plaisir, c'est de plus en plus propre, c'est cool. Ouais. Mais voilà, quelques belles trouvailles hein, quand même, ouais. le petit portable bien intéressant, ouais. Des pièces. Moi je suis content de ma pièce italienne. Ouais. Des cuillères. Qu'est-ce que t'as pensé ouais. De cette pêche allemande, Maëva? Bah écoute, c'était quand même productif, hein, c'était ouais. Vachement intéressant. Ça t'a plu? Ouais, franchement, juste le fait de sentir que t'as pêché quelque chose, pas savoir ce qu'il y a dessous, etc. C'est super intéressant. Prochaine fois, si t'es dispo, on ira à Toulouse. Là, mais normalement. Carrément, je ouais. Suis là. Grosse ville. Je suis là. On n'a pas peur de salir. C'est ouais. Ça, ouais, ça c'est important. Très important pour la pêche. Ah ouais, pas de soucis. Allez, à la semaine prochaine.